Je me présente, je me nomme Emmanuel Uyandé, l'auteur du livre Tu contemples ou tu rêves. J'ai envie de vous répondre que c'est un livre qui est à l'image de son époque, mais qui se veut intemporel. Le but est de faire changer la fréquence vibratoire du lecteur, lui faire remettre en question, le faire questionner. Justement, le titre est une question. Donc, c'est vraiment un livre qui se veut novateur, puisque dans le livre, j'ai essayé de ramener un peu du mien. J'ai essayé, dans le chapitre 2, de ramener un concept qui, à mon sens, n'avait pas été encore exploité. J'appelle ce concept la virgule déplacée. Et qu'est-ce que c'est? C'est dans le chapitre 2 que nous retrouvons la virgule déplacée. C'est une énigme intellectuelle. C'est le titre qui est la lettre de l'ématelot. Un ématelot est une personne qui n'a pas de nationalité. Et pour moi, une personne qui n'a pas de nationalité, c'est une personne qui est vide. Ça, c'est selon moi. C'est une personne qui n'a pas de forme. Et la lettre, en fait, c'est rédigée par l'ématelos, donc la personne qui est, à mon sens, vide. Et le lecteur doit, on va dire, résoudre un peu les énigmes qu'il y a dedans. C'est quelque chose que tu peux lire de gauche à droite, normalement. Tu peux le lire en entrecroisé et tu peux aussi le lire de bas jusqu'en haut. C'est plus de la proposition que imposée au lecteur. J'aime pas vraiment avoir un style où ce que j'impose quelque chose. J'aime que tout le monde se fasse sa propre interprétation. C'est pour ça qu'au début du livre, nous retrouvons la phrase « Vous êtes maître de votre lecture, interprétez cela comme bon vous semble. » Selon moi, lorsque nous faisons un projet, ça doit toujours être simple au début et ensuite se complexifier. Ça a été le cas avec l'ouvrage. C'était simplement un questionnement et ensuite ça a débouché à ce que je publie un livre. Donc c'est vraiment un questionnement qui m'a permis de pouvoir rédiger. Mais c'est aussi plusieurs réalités, plusieurs situations dans ma vie qui ont fait en sorte que ce questionnement revenait souvent. Et je me disais qu'en fait, les gens qui réussissent, et lorsque je parle de réussite, je parle de réussite professionnelle, réussite scolaire et tout consort, les gens qui réussissent, est-ce qu'ils ont réussi puisqu'ils ont eu un rêve et ils ont accompli leur rêve, ou bien ils ont réussi puisqu'ils ne se sont mis aucune barrière? Ils ont réussi parce qu'ils se sont dit: moi, aujourd'hui, je vais vivre ma vie comme elle est. Je ne me concentre pas sur ce qui peut être, ce qui peut arriver. Je fais juste vivre avec les aléas ou sans les aléas de la vie. Je me concentre sur moi et je m'en fous de demain, par exemple. Et un jour, lorsqu'ils vont voir un résultat qui est de réussite, ben, ils vont contempler leur réussite. Et même sur la couverture, nous pouvons retrouver ce questionnement, puisque c'est un petit garçon, un enfant, qui court après un rêve, à savoir un nuage qui est éphémère, qui va disparaître. Mais à quel point il y tient, à quel point il est prêt à courir après son rêve, puisque si on remarque bien, il est sur une montagne et à tout moment, il peut tomber de la montagne. Mais d'une manière à une autre, ce n'est pas quelque chose dont il tient compte. Il se focalise seulement que sur le nuage. Et c'était vraiment un livre qui se veut poétique, philosophique, un peu d'humour aussi, ça fait pas de mal. Et puis je souhaite bonne lecture à tous ceux qui vont lire l'ouvrage. Faut savoir que moi je suis issu du monde cinématographique. Donc vraiment un projet qui me tient à cœur. Je pense que ça serait d'adapter le chapitre 3. Le chapitre 3 de l'ouvrage, j'aimerais l'adapter. Le chapitre 3, Yelia Kazol. C'est une histoire que je trouve formidable et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour pouvoir l'adapter soit en série ou en film. Mon père est un grand homme, il m'a appris la vie et ma mère est une grande dame et elle m'a appris à vivre, tout simplement.